Est-ce que vous avez l'impression que la jeune génération, justement, évolue dans ses prises de conscience? Parce que vous évoquez souvent l'eau aussi pour la nature. On sent qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation pour la nature. Alors, il y a deux aspects à votre question. Concernant la jeune génération, je la sens personnellement dans les voyages à travers le monde, dans les discussions. Je la vois aujourd'hui encore plus sensible pour l'énergie que pour l'eau. Elle est plus consciente. Pour un certain nombre de raisons, et notamment parce que la question des énergies renouvelables a été posée plus tôt et qu'on ne pose pas encore la question des ressources hydriques renouvelables, en tous les cas pas suffisamment. Et donc, ça signifie que dans les décennies à venir, il y a d'énormes efforts d'information, de sensibilisation à effectuer auprès de ces générations. L'autre sujet, c'est la question de la nature. C'est une prise de conscience plus récente pour l'homme que de se rendre compte que il doit rendre à la nature une partie de l'eau utilisée et qui doit la rendre avec une qualité parfaite. C'est toute la question des pollutions géantes que connaît le monde. Pollution des lacs, des fleuves, des nappes phréatiques, mais aussi de la mer. À la fois les pollutions chimiques, à la fois les plastiques qui encombrent maintenant les océans. Et donc, pour revenir à l'eau, nous devons trouver partout le bon équilibre entre l'eau pour l'homme, qui continuera à avoir besoin d'eau, pour bien des raisons, notamment d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, et entre l'équilibre entre l'eau pour l'homme et l'eau pour la nature. Respecter la biodiversité, protéger les écosystèmes qui, eux aussi, ont besoin d'eau comme l'homme. Et donc, nous avons un intérêt commun, c'est ce qui me fait dire que l'eau, c'est l'assurance-vie de la planète. C'est le premier élément dont on a besoin avec l'air. Si on n'a pas de l'eau et de l'air qui soient consommables pour l'homme et pour la nature, eh bien, l'humanité est condamnée à disparaître. Vous insistez aussi beaucoup sur les cinq besoins fondamentaux que les États doivent garantir à leur population. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer plus concrètement? Oui, chaque famille, par le passé, a un peu travaillé seule. La famille de l'eau, la famille de l'énergie. Nous, nous disons aujourd'hui, attention, tout cela est indissociable. L'eau, l'énergie, parce qu'il faut de l'eau pour l'énergie et de l'énergie pour l'eau, mais aussi pour les usages derrière, l'alimentation. La question de l'autosuffisance alimentaire dans ce siècle sera une question dont on imagine à peine les contours tellement elle est importante, du fait de la croissance démographique. Mais aussi la santé, le Covid que nous vivons, la pandémie, montre bien que l'eau, c'est le premier geste barrière, se laver les mains. Et puis, derrière, l'éducation. Car un monde qui ne recevrait plus d'éducation faute des besoins essentiels, eh bien, est un monde qui serait condamné à la pénurie intellectuelle et à la pénurie culturelle. Et il n'y aurait rien de pire.